jamais servi du foie gras au petit déjeuner. Excusez-moi, madame, mais je pensais qu'un repas servi à 14h57 hein est composé d'une entrée, d'un plat de résistance et d'un plat de fromage. Vous savez tous ces bons fromages qui font que la France est le pays de la gastronomie que le monde entier. Ça suffit. Je peux plus. Vous me remportez tout ça, là, et vous m'apportez un grand bol de café avec deux aspects. Bien, ça. Transpirez, madame. Merci. Oui, quoi? Qu'est-ce que tu disais? Hein? Mais non. Non. Je peux en placer une? Tu vas m'écouter, oui? Oh, mais bon sang de bonsoir, tu vas m'écouter à la fin, oui? Ben, dites donc, l'aspirine, comme disait jeune, c'est du hard. Écoute-moi, c'est fini, je ne veux plus que tu mettes les pieds ici. Hein? Oui, ben c'est quand même toi qui t'es tiré pour vivre je ne sais quel amour, avec un mec en plus. Ben j'ai l'air de quoi quand je raconte ça aux copines, moi? Qu'est-ce que t'as pris au petit déjeuner ce matin? Du café?
Non, des croissants. Non. Eh bien, moi, j'ai quoi, des pâtes? Si, 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 j'ai parfaitement du pâté. La farandole truffée du Périgord, Jacqueline, c'est très tendance en ce moment. Oui. Voilà, dis-moi, ton chipendais, t'as conclu? Non. Oh, la chance! Alors, si j'avais 10 ans de moins, moi, je te... Comment ça, 25 ans de moins? Ah, ils sont si jeunes! Si jeunes? Bon, ben, tu me le présenteras, j'espère. Si, si, écoute, je t'invite à dîner demain soir et on en reparlera. Ah, allez, à demain. Bisous! Eh bien, monsieur, mais qui vous a permis de rentrer dans cette maison? Excusez-moi, mon cher, mais je m'appelle Armand Leblé, et figurez-vous que je suis votre prédécesseur. Je comprends bien, mais ce n'est pas une raison pour rentrer chez les gens ainsi. Madame? Oui, oui. Il y a un certain Armand Leblé qui veut vous parler. Ah, oh, ben ça tombe bien, j'ai deux mots à lui dire. Eh bien, pour moi aussi. Alors, comme ça, vous êtes le nouvel homme à tout faire dans cette maison? Oui, je suis au service de madame depuis une quinzaine de jours. Je suis en période de rodage, je prends mes marques. Ne vous donnez pas trop de peine, elle est très lunatique. Bah, j'ai cru déceler chez elle un certain de dépression. C'est vrai que le départ de monsieur, ça n'a pas dû l'arranger. Mais vous verrez, vous y ferez vite. Au fait, sans vouloir jouer l'indiscret, que faites-vous ici? Vu votre âge, vous avez dû changer d'employeur. Oui, en effet, j'ai perdu tragiquement mes anciens employeurs il y a environ un mois. Et je me suis retrouvé au chômage, et quand j'ai eu vent qu'il y avait une place de libre ici, je n'ai pas hésité une seconde. Votre patron a eu un accident? Oui. Alors, 28 ans, de bons et loyaux services. Un accident de voiture, et tout est fini. Vous faisiez aussi leur chauffeur? Non, non, d'ailleurs, ils n'ont jamais eu de voiture. Non. C'était un jeudi matin. Tous les jeudis matins, ils allaient promener les minous dans le bois de Vincennes. Ils promenaient leur chat au bois de Vincennes? Non, non, pas exactement. Comme ils n'ont jamais pu avoir d'enfants, ils reportaient toute leur affection sur les animaux. Minouche était un cadeau qu'ils avaient ramené d'un voyage en Inde. Alors, c'était un adorable petit chaton rayé orange. Le seul problème, c'est qu'il mangeait énormément. Si bien qu'à 2 ans, il mesurait 2,50 m et pesait 350 kg. Alors, mais passons, on fait venir un vétérinaire. On leur a donné son bien. Il a tout juste le temps de leur dire qu'il s'agissait d'un tigre qui s'est fait dévorer. Eh oui, Minouche avait la précieuse habitude de manger tout ce qu'il connaissait pas. Effectivement, c'est très regrettable. Mais je ne vois pas le rapport avec l'accident de la route. Et c'est très simple. Comme ils se promenaient avec leur tigre, les gens en voiture ralentissaient pour les regarder. Il y en a un qui a freiné brutalement. L'autre derrière a voulu l'éviter, il a dévié. Et il s'est pris un poteau EDF qui est tombé sur la voiture. Mon patron, il a couru. Et il a ouvert la portière. Et paf, électrocuté. C'est regrettable. Alors ma patronne, affolée, court avec son portable pour porter secours. Et alors? Ben alors, instinctivement, il referme la portière. Quel destin tragique! Elle était pas au courant! Et le tigre? Ah, le tigre, disparu. Envolé. On l'a jamais retrouvé. Comme c'est horrible! Ça, vous pouvez le dire. Alors que, comme il n'avait pas d'héritier, il était à tout prix. Et tout prix, moi. Je me suis retrouvé au chômage. Alors quand j'ai eu vent qu'il y a eu de place de libre ici, vous comprenez, j'ai pas hésité. Oui, je comprends. Mais vous verrez, ce ne sont pas de mauvais bougres. Il y a juste quelques bricoles que je n'arrive pas à trouver. Dites toujours. Alors, sauriez-vous me dire où se trouve le service à thé? Dans le deuxième tiroir de la commode. Le service à thé dans une commode.
j'arrive pas à ouvrir celui du bas. N'essayez pas. Il est bloqué depuis une bonne quarantaine d'années. Enfin, c'est ce que disait le patron. Mais au fait, pourquoi avez-vous quitté cette maison? Pour une histoire d'amour. On quitte pas ses anciens employeurs pour une histoire d'amour. Oh, c'est trop compliqué à expliquer. Qu'est-ce que vous venez faire ici? J'étais venu régler deux petites affaires, disons deux petits comptes en jeu avec vous. Ah ben on peut dire que vous ne manquez pas de culot. Je ne serai pas l'autre. Lors de mon départ, je n'ai pas eu le temps de prendre toutes mes affaires. Henri, allez me chercher la valise qui est dans l'office. Bien, madame. Continuez. Donc, comme je n'ai pas eu le temps de prendre toutes mes affaires... Ah, ça suffit, hein. Avec ce qui s'est passé, vous ne vous imaginez tout de même pas que je vais vous remercier. Parlons-en de remerciement. Vous m'avez congédié comme une vieille chose qu'on me jetait à la poubelle. D'abord, je ne vous ai pas congédié. Et puis ensuite, vous n'êtes vraiment qu'une ordure de la pire espèce. J'ai eu mon ex-mari au téléphone. Je sais tout. Vous savez tout, c'est... Parfaitement, je sais tout. Me voler mon mari. Vous volez votre mari? Ah, ne faites pas l'innocent, c'est écœurant. Et que savez-vous juste? La valise, monsieur. Oui, bon, de toute façon, j'étais venu vous dire que je me suis renseigné au syndicat des personnels de maison. Et pour me licencier, il aurait fallu que vous m'envoyiez une lettre en recommandé avec accusé de réception 2 mois avant la date du licenciement. Et me verser une indemnité proportionnelle à mon temps de présence dans cette maison. Que je vous paye une indemnité? Oui, parfaitement. Et comme je n'ai pas reçu le courrier en recommandé, disons que vous n'avez qu'à me verser une indemnité 2 fois plus élevée. Eh ben tenez, voilà pour vos indemnités. Ça c'est pour vous. Allez, dehors. Et que je ne vous vois plus jamais. Excusez-moi, madame, je crains de ne pas avoir tout compris. Je hais les hommes. Sincèrement, vous ne me faites pas rentrer. Hein. Qu'on annule mon invitation pour demain soir. Ah, oui. Non, 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 non,
ma foi. Ça ne changera les idées, bravo. Henri ? Henri ! Oui, madame. Demain soir, je ne suis pas là. Vous avez quartier libre. Ainsi que le lendemain matin. Bien, okay. Madame. Tu veux voir quelque chose ? Oui, je prendrais bien un petit jus. Ah, bah, Henri, apportez-nous un thé au jasmin, s'il vous plaît. Oui, madame. Eddy ? Oui. C'est quoi des alcooliques anonymes ? C'est des gens qui boivent ensemble sans se connaître ? Non. Non, ce sont des hommes qui boivent chacun de leur côté, puis alors après, ils se rencontrent pour en parler. Ah, les hommes ! C'est tout le contraire de nous, en somme. Donc, ils boivent chacun de leur côté sans se connaître, alors que nous, on boit ensemble en se connaissant. Oui, tous des salauds. Eddy, en parlant de salauds, ce n'est pas de l'ancien majordome que j'aurais croisé en bas de l'immeuble. Bah, si, c'est lui. Figure-toi qu'il a eu le culot de venir me demander son reste. Ah, je te fous du dehors, tu peux faire confiance. Le Malawi, c'est un petit état du sud de l'Afrique. Alors,
aller faire la messe aussi loin. Quelle idée! Mais tu sais que tu nous as beaucoup manqué, Adrien. As-tu réussi dans ton sacerdoce? Au-delà de tes espérances. Les pauvres démunis qui n'ont rien du tout, il n'y a que ça. La pauvre Élise. L'Afrique touche le fond. Je n'ai jamais vu autant de misère. C'est là. Ils sont tous pauvres. Vêtus avec des haillons. C'est dingue la misère. Il n'y a que ça. Est-ce que monsieur prendra un thé avec ces dames? Bien volontiers. Si ça se trouve, c'est peut-être du thé qui vient du Malawi. Ils en font énormément. Mais au fait, tu vas rester combien de temps ici? Parce que dans ton courrier, tu m'as pas dit pourquoi tu venais. Oui, en effet, excuse-moi. Mais il fallait que je rentre pour régler des affaires avec la congrégation. Ah. Et j'ai des contacts à prendre pour voir s'il y a des débouchés pour notre fabrique. Vous avez une usine? Pas exactement. On ne peut pas parler d'une véritable. Il fallait trouver une solution pour sortir les gens de la misère. Dans notre mission, les gens sont surtout tournés vers l'agriculture. Ils dépendent donc énormément des saisons. Pendant la saison des pluies, il y a moins de choses à faire. Alors, comme il y a beaucoup de forêt à près du Grand Lac, nous avons monté, avec deux autres missions, une fabrique pour mettre en valeur tout ce bois. Ah, mais décidément, Adrien, tu n'as toujours pas quitté ta première passion. Ah non. D'ailleurs, Élise, j'ai un cadeau pour toi. Pour moi? Oui. C'est pour toi. Oh, il ne fallait pas. Je me demande ce que ça peut être. Au Malawi, il y a deux catégories.
ceux qui sont en civil et qui exploitent les Noirs, et ceux qui sont en soutane, comme moi, et qui s'occupent du salut d'Aram. Ce sont les gens du coin qui pensent. Cette modeste soutane m'a ouvert bien les portes, vous savez. Tiens. Mais au fait, tu veux rester combien de temps ici? Je pense rester une quinzaine de jours. J'ai énormément de démarches administratives à faire. Aurais-tu la gentillesse de m'accueillir chez toi? Mais bien sûr! Tu logeras dans la chambre d'amis. Merci beaucoup. Madame, oui. Deux dames désirent s'entretenir avec M. Adrien. Ah, merci Henri. Dites-moi Henri, voudriez-vous porter la valise de M. Adrien dans la chambre d'amis, s'il vous plaît? Bien, madame. Mais entrez donc, mesdames! Oh, pardon, mes sœurs! Sœur, madame, sœur Geneviève, quelle joie de vous voir enfin! Je me suis permis de donner ton adresse aux religieuses de la congrégation des Augustines travailleuses. Vous êtes en affaire? C'est un peu cela. Mais les meubles que nous vendons sur le marché local ne nous rapportent malheureusement que quelques couachas. Des couachas chez couachas? C'est la monnaie locale. Mais les gens sont si pauvres. Nous avons un grand projet. Construire un petit hôpital pour soigner la population, ainsi qu'une station pompage. L'eau potable fait actuellement défaut. C'est un problème crucial en Afrique. Nous avons bien réussi à exporter quelques tiroirs en Mozambique et Mozambique. Ce n'est pas suffisant. Ce qu'il nous faut, c'est le marché européen. N'est-ce pas, mes sœurs? Oui, c'est à vos ambitions. Madeleine, j'écoute. Ah non, ça n'est pas l'accord que nous avions convenu. Nous avions fixé le point d'indice à 1,30. Ah, mais je vous préviens que si vous maintenez à 1,15, c'est bien simple, je vends tout. Ah ben c'est ça, je vais me gêner. Ah oui, réfléchissez et vite. À bientôt. Et pas tant, non? Sœur Geneviève, notez. Les établissements Durieux nous proposent le contrat 2057 bis, modifié 2003, avec un point d'indice à moins 0,15. Dernier avertissement, au prochain problème, on les vire. Oui, oui, on les vire. Excusez-moi, Père Jean, mais nous vivons dans un monde de requins. Et comme nous sommes deux sœurs, ils pensaient nous savoir. Oh oui, mais nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. Enfin, ce fut dur, mais nous y sommes parvenus. Mais dites-moi, comment comptez-vous conquérir le marché européen? C'est très simple. Voilà. Dans un premier temps, nous allons vendre notre gamme de tiroirs dans tous les établissements de la région parisienne. Ensuite, devant le succès de ces tiroirs, toutes les entreprises de France voudront à leur tour en acheter. Ce qui ne manquera pas d'intriguer les étrangers qui en voudront tous à leur tour, c'est sûr. Oui. Messieurs, avez-vous réussi à voir la liste des usines de meubles de la région parisienne? Oui, nous avons traversé la région de long en large. Je dirais même plus, en large et en long. Eh bien, sœur Geneviève, ça c'est donc de répéter tout ce que je dis. Ça n'est pas très chrétien. Je me demande bien quelles peuvent être vos lectures en ce moment. Oui, ma sœur. Ceci dit, il faut le reconnaître, ce ne fut pas facile. Notre de chevaux est vieillissant et dans le flot de cette terrible circulation. Grâce à Dieu, vous y êtes arrivés. Et c'est bien le principal. J'ai fait des catalogues de notre production ainsi qu'une composition de la liste de notables. Regardez. Celui-là. Référence 10214. Oh. Entièrement en bois exotique. Mm. Ne serait-il pas magnifique intégré dans un meuble de salon? Oui. Ou encore celui-là. Référence 3348 en bois d'ébèze. Exemple. Celui-là,
préférence 12B324.7C, tout en longueur sur du... Oh, mais ça suffit. T'as sûrement raison, mais alors, la qualité de tes photocopies laisse sérieusement à désirer. Hein. Et en plus, elles sont toutes en noir et blanc. Ah bah, je les ai faites au Malawi. Trouver une photocopieuse relève de la gageure, alors en trouver une couleur, tu penses bien. De toute façon, avec la volonté de Dieu, nous y arriverons. Vous n'avez pas peur que ça fasse quand même un tout petit peu juste? Mais pas du tout. D'ailleurs, sœur Madeleine et sœur Geneviève sont les sœurs les plus dynamiques de la congrégation. On les surnomme les sœurs du même. Et voilà, c'est tout.
En es-tu sûre? Non. Henri! 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 Vous m'avez demandé, madame? Bah, dites-moi, mon cher Henri, comment faites-vous pour convertir des francs en euros? Oh, c'est très simple. Je divise la somme par 7. Ah! C'est pas très précis, mais ça donne une idée. Si je veux plus de précision, j'utilise ma botte secrète. Ah, et quelle est votre botte secrète? Ça. Ça s'appelle un convertisseur électronique. Vous voyez? Si vous voulez transformer des francs en euros, vous tapez les francs ici, les euros apparaissent là. Si vous voulez transformer des euros en francs, vous tapez les euros là, et les francs apparaissent ici. Comme c'est original. C'est bien pratique ce petit appareil. Je peux essayer. Mais je vous en prie. Ainsi, je tape mon versement en francs, 15 000, ça fait 2286,14 euros. Vous voyez, c'est très pratique. En tout cas, depuis l'euro, j'ai quand même l'impression qu'on se fait baisser. De quoi? Il y a un problème? Bah, tu peux me répéter la somme que tu viens de dire? Bien, je crois que c'est 2286 euros des plus chers. T'es sûr? Ah oui, je suis sûr. Ça fait combien en francs? Ça fait 15 000 francs. Pourquoi? Parce que ta rente est 25 000 francs par mois, me semble-t-il. Ah non. Tu dois te tromper. Je touche bien l'équivalent de 15 000 francs depuis le début. Alors, pourtant, j'étais persuadée que c'était 25 000, moi. Bon, bouge-toi, je vais en avoir le cas. Je vais vous dire, Henri, votre convertisseur est une petite merveille. Pouvez-vous me dire où je pourrais m'en procurer? Et je vous en prie, gardez-le, je vous le donne. Oh non, oh non, ah non. Mais si, vous êtes super quelqu'un. Vous savez, je ne l'ai pas payé. Quand vous faites vos courses, vous gagnez des fois des choses. Et en ce moment, c'est très tendance, ces convertisseurs. Ah, merci beaucoup, Henri. Je me demande si un tel convertisseur existe pour la parité euro-achat. Voilà. Comment? Bah, vas-y! Contacte-le! Qu'est-ce qu'il t'a appris?
à dîner demain soir. Yora, Aguila, toi et ton mari. Ah, tu partiras d'ici, maintenant ton poignet. Oula, tu m'as dit que dans deux hommes. Hein. T'inquiète pas, j'ai un plan. Figure-toi que quand il est parti, il a embarqué son portable. Alors, je sais pas où il est, mais je peux te joindre. Hein. Ça sonne. Allô, Philippe ? C'est Élise ! Dis donc, espèce de salaud, tu sais... Oui, dis-moi. Tu n'as pas arrêté de m'appeler. Oui, tu veux me voir ? T'as des excitations à me donner. Ça tombe bien, je suis très demandeuse. Eh ben, écoute, viens donc à la maison. Oui, c'est ça, un dîner, demain soir, voilà, à demain. Bon, j'allais dire, changement de programme. Alors, demain, tu viens à la maison avec ton mari. Ok. Mais bon, tu sais, Ernest, tu connais, il est très pantouflard. J'espère que demain, il n'y a pas tout à la télé. Bah écoute, je compte sur toi pour le convaincre. Hein? J'ai même 4 heures pour persuader. Allez, à demain. Alors que je leur avais donné cette soutane à repriser, ils me l'ont rendue avec ses décorations.
En me souhaitant bon anniversaire. Ah, j'ai été très ému. Depuis, je la mets dans les grandes occasions. Le moins que je puisse dire, c'est que vous ne passez pas inaperçu. Ma soeur n'est pas là. Non, elle est partie ranger sa voiture au garage. Je suis très anxieux à l'idée de revoir mon beau-frère. Il faut que je pardonne. Oh, il ne faut pas blâmer les gens sans preuve. Oui, vous avez raison. Ça ne serait pas chrétien. Je file dans ma chambre. Et vous n'avez pas vu mes chaussures? Tais-toi, pas loin. Tiens, vous recevez du monde? Oui, mais je vous préviens tout de suite, madame va arriver d'un instant à l'autre et je crains que votre présence ne soit pas la bienvenue. T'occupes. Elle est donc pas là? Parfait. Je récupère des bricoles et je me tire. Il me semblait que madame vous avait tout donné hier. Non, pas tout. Voilà dans la salle de bain et n'en bougez plus. Mais certainement pas. Ah bon, et tu crois ça? Oui, je reçois mes ordres que de madame et puis... Et puis j'ai des toasts dans le four, ils m'ont brûlé. Et avec ça, tu vas m'obéir? Mon Dieu, quel malheur. Mais c'est pas possible, c'est une maison de fous. C'est dommage, je donne ma démission. Ok, pas de panique. Les mains sur la nuque. Direction la salle de bain. Filons, demi-tour. Vers la porte, celle-ci. Le visage contre la porte. Tu sais, le problème ici, c'est que l'on a des projets. Et au dernier moment, et voilà qu'ils tombent à l'eau. Je crains de ne pas avoir tout compris. S'il n'y avait pas le départ de M. Philippe, nous n'en serons pas là. Oh merde! Bon, écoute pas moi. Tu reprends ton boulot pénard. Moi, je reste là. Alors n'oublie pas. Au premier geste, au premier mot, pas. C'est ça, allez, dépêche-toi. Premier geste. J'espère que nous ne sommes pas en retard. Non, madame. Vous êtes les premiers. Mais oui, vous êtes ici. C'est rien, c'est l'émotion. J'ai épluché des oignons. Coucou. Bonjour tout le monde. Tiens, Armand, que faites-vous là? J'avais deux mots à dire à madame Chapu. Oh ben, je serai vous. Après ce qui vient de se passer, je partirai tout de suite, hein. Alors, ce cher Philippe n'est toujours pas là? J'y prends un coffret. Ah, vous avez parlé de Monsieur Chapuis? Oui, bien sûr. Madame Chapuis a quelques comptes à régler avec lui. C'est pour ça que mon inspecteur de mari est là. Vous êtes inspecteur de police? Tout à fait. Toujours prêt la vente et le prix. Alors ça, je ne m'attendais pas à ce qu'il revienne. Monsieur Armand, il serait peut-être souhaitable que vous disparaissiez sans vous la recommander. Non, je vais attendre. Monsieur l'homme, bonjour. Bonjour, que vous êtes ravissant. N'est-ce pas? Et regardez-nous ces sandales. C'est un cadeau des paroissiens. Ce qu'ils sont merveilleux. Dites donc, vos paroissiens. Il serait pas du genre qui s'annulent, des quoi? Tu vas arrêter de l'embêter avec tes sales magnifiques. La dernière fois qu'on a chopé un tel individu, il avait suffisamment de hachiches sur lui pour endormir tout un régiment. Mais voyons, c'est Adrien, le frère d'Élise. Tu sais bien que c'est lui que je t'ai parlé hier. C'est lui qui a eu son argent détourné. Je vois. Eh bien, les missionnaires vont plus qu'ils étaient allés. Hein. Est-ce que ces messieurs-là prendront un apéritif en attendant madame? Oh ben oui, mais au fait, où est-elle? Elle est partie ranger sa voiture dans le garage. Oh. Le fait que monsieur revient, que tout le monde soit là, ça m'arrange un peu. Ça vous arrange, ça fait peut-être que beaucoup de monde à contrôler. Comment ça, contrôler? Ben, lors de mon départ, je me suis reconverti. Je suis devenu contrôleur. Contrôleur à la SNCF. Nous ne sommes pas dans un train. Je
Non, non, simple déformation professionnelle. En tout cas, pour une reconversion, on peut dire une reconversion rapide. Pour contrôler dans les rapides. Rapide, non. Vous voyez pas. J'ai rien dit. Bonsoir tout le monde. Ah, bonsoir, petite Élise. Bonsoir, Élise. Ah, certainement pas. Toi, tu m'as resté ici.
D'ailleurs, pour fêter cette belle journée, je vous propose de goûter de Kuba Kuba. C'est quoi du Kuba Kuba? Qu'est-ce que du Kuba Kuba? Vous savez, ce n'est pas grand-chose. C'est une petite liqueur faite au Malawi à base de fèves de cacao. Regardez-moi cette couleur. Ouais, je me méfie de ce genre d'apéritif exotique. Hein. Ça me rappelle un film que j'ai vu à la télé. Des Parisiens qui buvaient un torboyau local chez un paysan. J'avais pour l'air d'apprécier. Bon, c'est tout. Ça fait 20-25 degrés maximum. Ça sent pas le chocolat. Mesdames, messieurs, je lève mon verre à l'amitié. L'amitié des retrouvailles familiales. Que cet instant de paix et d'amour puisse nous ressembler. Puissent les hommes se rassembler contre les démons éternels que sont la haine, la vénalité, la jalousie. Ce trait d'union, représenté par cette boisson fabriquée avec amour par des gens humbles, pauvres, mais y mettant tout leur cœur, et qui s'offre à nous, gens du Nord, qui avons perdu toutes les valeurs fondamentales qui ont fait les fondements de notre société. Que ce geste symbolique, que ce rituel universel qui représente toute la symbolique de partage entre les hommes ne soit pas dénaturé par rapport à la philosophique du geste de l'échange dans un moment de satisfaction et de repos. En d'autres termes, c'est avec des pétards comme celui-ci que l'on pourra prendre toute la mesure de valeur de rituel. Car n'oublions pas que la négligence du détail détruit l'intelligence de la conception. C'est le principe de base, que j'essaie d'inculquer aux employés de la fabrique. En vérité, je vous le dis. Oui. Abrège. Santé.
bien bon repas. Oh, ne vous inquiétez pas, Henri. Ça, ce n'est que le premier affaire désirable. Désirable? Oui. D'ici 5 minutes, ils vont revenir. Vite, soit. Mais encore, ils vont avoir faim. Terriblement. Voulez-vous goûter de mon subtil breuvage? Non, merci, je bois jamais à l'école. Tiens, on sonne à 7 heures. Bah, il me semble que ma soeur n'attend plus personne. Eh bien, Henri, allez ouvrir. Non. Mais comment non? Non. Ah oui. Non, on y est déjà là. Pourquoi non? Parce que il se passe des choses bizarres dans cette maison depuis quelque temps. Vous avez peur? Oui, j'ai peur. J'ai même très peur. J'ai peur de quoi? J'ai peur de mon gratin. Mon gratin, dans le four, il va brûler. Vous êtes rien. Je vous en supplie, allez ouvrir cette porte, s'il vous plaît. Oui, si vous le voulez. Le gratin. Le gratin. Sœur Madeleine, sœur Sophie, quel ravissement de vous revoir. Bonsoir, Père Vauban. Quelle superbe tenue. N'est-ce pas? Elle pourra ravir. Oui, c'est un cadeau de mes paroissiens. C'est tellement plus beau de mettre de la couleur dans la vie. Et bien sûr, Geneviève, en voilà l'idée. N'oubliez pas, vous avez choisi la sobriété pour votre vie. Oui, ma sœur. Sobriété et méditation. Eh bien, monsieur, que me vaut une telle visite à une heure pareille? Ça y est, notre premier contrat. Disons notre premier contact. Non! Ne me dites pas que vous avez déjà un client. Si, les magasins qu'on peut mettre là. Oui, vous savez, la chaîne de magasins. La chaîne de magasins? Non, je ne connais pas. Vous savez, du temps de la dictature de Banda, c'était plutôt des magasins de chaîne qui marchaient fort. Les magasins pour Faux-Merlin font des meubles en kit. Et nous avons vu le directeur. Le directeur de tous les magasins. Oui, il a paru très intéressé par notre gamme de tiroirs. Il a dit vraiment qu'ils ont fière allure et qu'il les mettrait bien dans ses allées marchandes. Ils vendent des tiroirs dans des allées marchandes? Non, pas exactement. Les clients gagneraient plutôt des tiroirs avec des points. Des points? Oui, des points. Les clients font des achats et gagnent des points. Et avec ces points, ils pourront gagner des tiroirs. Et oui, et avec ces tiroirs, ils auront l'idée d'acheter les meubles qui vont avec. Confo-Merlin. Ah, d'accord. Je vois. Voilà, et ceci dans tous les magasins Confo-Merlin de France. Et il en est moins d'une grande quantité? Ah, bah, non, pas dans l'immédiat. Il voudrait d'abord voir nos produits. Il y a un mois, j'ai expédié en France un conteneur rempli de tiroirs. J'ai contacté le port du Havre. Il doit passer l'ordre de retrait du conteneur à la congrégation. Pour l'instant, il n'est pas encore arrivé. Ah, bah, le plus tôt serait mieux. Mes sœurs, je suis très fier de vous. Et si nous trinquions, vous faites ça? Oui, oui. Bien, ma sœur, ne vous ai-je pas parlé de sobriété tout à l'heure? Allons, ma sœur, je deviens tout petit spiritueux élaboré par mes paroissiens. Dans ce cas... Vous allez voir, c'est excellent. Mes sœurs, puisse Dieu nous apporter aide et réconfort. Ça ressemble un peu à notre bain de messe. N'est-ce pas? Mais tout le monde n'a
apprécié. Ah, comme c'est bizarre. Vous savez, de nos jours, les gens mangent de plus en plus de produits aseptisés. Ils se gavent de médicaments dès qu'ils ont un tout petit peu mal. Se précipitent dans des endroits surchauffés. Utilisent la climatisation de manière immodérée. Si bien que ça vous fait des gens qui ont peu de défense immunitaire. Dès qu'ils mangent un produit naturel, ils tombent malades. C'est ahurissant. D'autant plus que c'est une boisson très douce. Il y aurait peut-être un marché pour ce spiritueux. Peut-être. Mais il va falloir que je revoie les dosages. La prochaine fois que vous viendrez, je vous ferai goûter de mon autre bouteille. C'est de la vraie. La buve. Oh. Malheureusement, elle a un peu coulé dans la valise. J'ai plein de vêtements percés. Oh, j'en peux plus. J'ai comme... Vidé. Vidé. C'est le mot. Tiens. Bonsoir, mes sœurs. Bonsoir. Vous avez récupéré où, votre apéro? J'ai perdu 5 kilos. Oh, c'est formidable. Je t'ai constitué depuis 15 jours, et là... comme produit pour déboucher les chiottes. Mes chers amis, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Ah. Nous avons notre premier client. C'est pas vrai? Si, les magasins Confo Merlin. Oh, de toute la France. Oh, avec Confo Merlin, c'est plus malin. Confo Merlin, c'est pas du marathon. Oh, mais c'est merveilleux. Tu vois, Julien, tu vas la voir pour l'hôpital. Et comme prévu lui-même. Je propose que l'on porte un toast. Pour oui. Je vois bien, mais c'est un truc un petit chaud, hein. Viens de chez nous. Moi, j'aimerais bien qu'il va noir. Je te dis. Je veux bien. Moi aussi, j'en prends bien. Ah non, moi, rien d'autre. Je veux que tu gardes la tête sur les épaules. Oh, mais oui, c'est pas un ou deux petits apéros qui vous mettent dans tous ces états, voyons. Ah, les apéros, peut-être pas. Mais moi, si. Père Vauban, il se fait tard, nous allons rentrer à la congrégation. Bon, mes sœurs, est-ce que vous voudriez rester dîner avec nous? Ça nous ferait très plaisir. Non, merci, madame, nous avons déjà dîné. Nous nous sommes précipités après le repas pour vous annoncer cette bonne nouvelle. Je vous raccompagne. Si j'avais su que mon gratin aurait eu autant de succès, j'en aurais préparé plus.
Je ne pensais pas non plus que les pâtes au carbonara que j'avais préparées en toute urgence auraient été mangées aussi vite. Pensez donc qu'il y avait quand même 5 kilos de nouilles, autant de crème fraîche et de filardons. C'était délicieux. Bien que j'eusse préféré la terrine gourmande du Périgord. Il n'y avait pas assez de pain. 15 baguettes quand même. Heureusement que vous avez trouvé un petit boulanger d'ouvert à cette heure-ci, parce que... Il fallait bien ça pour goûter la composition fromagère. Il y avait quand même 18 variétés de fromage. Mon cher Henri, que vous avez préparé comme dessert? Je vous ai préparé un saint honoré modif de France. Mais il va falloir patienter. Oh! Ainsi donc, monsieur Lafay, vous avez la passion du cinéma. Oui, le cinéma et le bois. D'ailleurs, je crois que si je n'avais pas eu la foi, je me serais tourné vers la profession de décorateur, de cinéma ou de théâtre. Je pense voir des décors en bois, évidemment. Il n'a pas d'appris. Il y a des cinémas. Ah, où je suis, malheureusement, non. On a bien un projecteur 16 mm à la mission, mais il est dans un tel état. Et de toute façon, toutes les bobines de film sont moisies. Mais ça avait manqué, là. Ah oui. Vous savez, la première chose que j'ai faite lorsque j'ai eu mon premier moment libre à Paris, c'est de me précipiter dans le premier cinéma rencontré. J'ai vu un film américain, Un homme à part avec Vin Diesel. Avec quoi? Vin Diesel, c'est le nom de l'acteur principal. Ils sont vraiment bizarres, ça, Merloc. Vin Diesel, on dirait le nom d'un garagiste de Bordeaux. Je me souviens que dans ma jeunesse, j'avais vu un film américain qui s'appelait La Traverse, c'est fantastique, avec John Woodcock comme acteur principal. C'était un Français d'origine américaine. Et bien figurez-vous qu'il a été obligé d'angliciser son nom pour faire carrière en Amérique. Ah bon? Comment s'appelle-t-il en France? Jean Boischardon. Ils sont fous, ces Merloc. Il n'empêche, quand vous regardez, la langue anglaise devient de plus en plus envahissante chez nous. Les jeunes qui se présentent sur le marché du travail aujourd'hui, eh bien on leur demande de parler couramment l'anglais. Ça c'est vrai. Tu sais, la fille nos voisins tortueux. Oui. Figure-toi, elle a été admise dans un lycée international en plein cœur de Paris. Tous les cours sont en anglais. Eh bien, ça peut être pratique pour les cours de français. Allô, ici la résidence de Madame Chapuis. Bientôt, Vauban. Une communication pour Monsieur Adrien. Ah. Mais, qui peut m'appeler à cette heure? Merci. Allô, oui, ici le père Vauban. Oui. Oui. Non. Enfin, mais vous êtes sûr? Ce n'est pas possible! Incroyable! Ah bah non, j'y crois pas, non! C'est cela. À demain matin. Demain matin sans faute. Au revoir, mon père. Eh ben, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est une catastrophe. Mais quelle catastrophe? C'est une catastrophe! Eh bon Dieu, parlez, mon père! Adieu, confo Merlin. Adieu, l'hôpital. Oh, il faut relativiser, hein.
quelques tiroirs. 6 mois de production tout de même. Ah, toi, Philippe, adopte profil bas. Parce qu'à propos de production, j'ai 2 mois à dire, figure-toi. Je comprends pas. Tu vas vite comprendre, mon meilleur. Le dessert. Qu'est-ce qu'il y a sur le gâteau? Alors, c'est une crème légère, très légère, avec un nuage de chocolat sur le dessus. On dirait un gâteau norvégien. Ah non, 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 c'est bien un Saint-Honoré mort d'Île de France. Alors, j'ai d'abord fait macérer la pâte dans un mélange de rhum et de Calcutta. Oh, je ne sais pas si je supporte autant d'alcool dans du gâteau. Dépensez donc, une fois passé au four, on n'entend plus l'alcool. Laissez, Henri. Je vais servir le dessert. Très bien, madame. Voilà, alors,
parlera comme ça dès qu'il aura détecté un mensonge. Allez, Jacqueline, tu peux me poser toutes les questions que tu veux. Que je te pose une question, n'importe quoi? Mais oui, n'importe quoi. Eh bien, quelle est l'espérance de vie des baleines? Hein? Tu peux pas me poser une question où je connais la réponse? Ça sert à quoi, parce que tu vas mentir? Mais elle m'énerve, elle m'énerve! Quel âge avez-vous? Bah, tu vois, c'est pas difficile. Mais je te connais ton âge. Mais en mentant, t'aurais vu l'efficacité de la machine? Allez, Élise, reposez-moi la question. Ernest, quel âge avez-vous? 60 ans. Bah, c'est bizarre, j'ai menti, ça ne sonne pas. Rassurez-vous, vous les faites, vos 60 ans. Posez-moi une autre question. De quel genre êtes-vous? Le genre, c'est... Si on est un garçon ou une fille, c'est bien ça, hein? Quelle culture! Bravo! Eh bien, je suis du genre... féminin. Mais je ne t'ai
pas trahi. Mmh.
je vais chercher du secours. Au secours! Au secours! Allez! Allez! Oh bon Dieu! Mais c'est midi de la coopération! Nom de Dieu! Je vous en prie. Vous vous souvenez de l'affaire Roussac? Le ministre qui a été tué, rue Bois, il y a 10 ans. C'est pas lui qui avait été impliqué dans le scandale de la société. La CEDRA! Oui, il avait été détourné plusieurs millions de francs du ministère. Et on avait soupçonné la CEDRA, dont Poussac était le PDG. Il n'y avait jamais vraiment eu de preuve, et le mobile du crime avait été déterminé avec précision. Chantage, règlement de compte, on n'a jamais su. Non, tu vas me laisser finir son histoire. Tenez bon, monsieur le ministre, c'est ce que vous arrivez. La mallette. La mallette. Sous la voiture. Et rien. Rien. Fermez la clé. Des papiers au nom de la CEDRA, des ordres de virement, des relevés de compte. La CEDRA, mais oui, la CEDRA, éclaboussée par les scandales financiers. Voilà qui va intéresser nos copains du canard enchaîné. Ça va être une vraie bombe. Oui, mais ça n'a pas été une bombe. Pourquoi ? Qui c'est peut-il être ? La mallette, vite! Quelle mallette? Quelle mallette? Quelle mallette? Alors voilà un ministre qui se fait descendre, vous vous piquez la mallette, on vous braque et vous ne faites rien! Oh, attention, mon lapin, attention! Ah, arrête de m'appeler de ma main! J'étais tellement choqué! Le lendemain, quand j'ai vu tout le radin dans le quartier, les gros titres dans les journaux, les éditions spéciales à la télé, alors là, je me suis dit, je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu. J'avais dû même pas engager mariage avec la fille que j'aime, à cause d'un miss Maurice. Comme c'est beau. L'affaire aurait pu s'arrêter là. Malheureusement, le jeudi suivant, c'est-à-dire deux jours avant notre mariage, j'étais en train de régler quelques points de détail avec le chauffeur, lorsqu'on sonna à ma porte. J'ouvris. C'était l'heure de revolver. Immédiatement, j'ai bougé les têtes. L'homme s'est assis sur la table et m'a proposé un marché qui m'a glacé le sang. Il connaissait mon nom et le tien aussi, Élise. Il savait que nous allions nous marier. C'était Armand. Armand? Oh mon Dieu, moi qui me dis que je savais tout. Armand, vous voulez parler de votre ancien majordome? Exactement. Ah oui, mais attends, quand je l'ai foutu dehors hier, je lui ai dit que je savais tout. Et enfin, je voulais parler de votre relation à tous les deux, pas de cette affaire. Maintenant, on est dans le beau drap. Il va sûrement chercher à nous faire la peau. Ah, si donc, l'homme au revolver qui vous a piqué la mallette, c'était Armand, votre majordome. Exactement. Il a même exigé que je l'embauche. Et surtout que je lui les remette 10 000 francs par mois. Et en plus de son salaire. C'était un maître chanteur. Enfin, pourquoi est-ce que tu n'as pas refusé, voyons? La menace, il dit. La menace. Il me dit que si je refusais, il te tuerait. Alors, tu es la femme que j'aime, ma chère Élise Vauban,
digne descendante du grand Vauban, qui était pour moi, jeune étudiant d'architecture, mon idole. Je ne pouvais l'accepter. C'est merveilleux. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi voulait-il absolument se faire embaucher chez vous. Non plus, je lui ai demandé, mais il m'a dit que c'était pour mieux le surveiller. J'en doute. Oui, moi aussi. Cette histoire n'est pas très claire. Comment s'appelle-t-il déjà? Armand Leblé. Vous êtes sûr? Bah écoutez, je lui ai pas demandé sa carte d'identité. Allô? Les renseignements généraux? Oui, c'est quoi ça? Est-ce que monsieur Raguin serait dans les parages? Merci. Ça, c'est un peu plus que ça, ouais. Allô, Hervé? Ouais, salut, c'est Ernest. Ouais, ça va, ça va. Bon, pour du coup, c'est à propos de la Vermoussade. Vous êtes le ministre. Ouais, j'ai une piste. Pourrais-tu jouer le grand jeu? Pourrais-tu me trouver le pédigré d'un certain Armand Leblé? Quel âge a-t-il? Une quarantaine d'années, à peu près. Ouais, il doit avoir la quarantaine. Bon, tu me retéléphones sur mon portable dès que t'as du nouveau. Allez, à tout à l'heure. Comme ça. On va être fixé s'il y a un rapport de près ou de loin avec le meurtre de notre ministre. Mais à propos, où est donc passée cette mallette? Je le lui ai demandé, mais il m'a dit que ça ne me regardait pas. Pourtant, je lui ai fait comprendre que ça valait du pognon, qu'il pouvait la négocier. Alors là, il voulait bien la prendre. C'est la preuve qu'il avait toujours la mallette. Et combien te demandait-il? 100 briques. Ah bah oui, c'est une somme. Il n'est pas pensable que je t'en parle, Lily. Alors, je lui donnais ton pognon tous les mois. Ça me rendait malade de détourner ton argent. Toi qui faisais tellement confiance. Excusez-moi, mais je crois que c'était le mien. Ah bah oui. Bah oui, comme tu t'occupais des virements avec le Malawi, tu t'es dit que 10 000 francs en plus ou en moins pour Adrien, ça se verrait pas. En quelque sorte, oui. Allô, ici Poissard. Ah, c'est doué, Hervé. Attends, prends mon cap. Alors, Armand Leblé, oui. Né le 15 juillet 63, dans le 13e. Ouais, ouais. C'est monsieur Darme, a-t-il mangé suffisamment de dessert? Ah oui, je vous remercie, Henri. Je crois qu'on commence à caler. Mais c'était parfait. Très bien. Je vais commencer à préparer un 4/4 breton au cause. Ah oui, et... Ils sont quand même bizarres, ces petits osserons. On appelle cela des noisettes, madame. Ah. Faudrait que tu sortes quand même un petit peu de Paris, quand même, Jacqueline, hein, de temps en temps. Mais certainement pas. La dernière fois que je suis allée à la campagne, c'était chez les parents d'Ernest. Oui. En Normandie. Ah ben, l'air était si pur que je suis tombée malade. Oh. Ben, en tout cas, ce soir, tu es dans une forme éblouissante. Eh ben, mes enfants, c'est rapide. Notre homme n'a aucun rapport avec le meurtre de notre ministre. Ah bon? Après, à 15 ans. Première condamnation pour voler les dollars. À 18, les serrures de voiture n'ont plus aucun secret pour lui. 25 ans le répertorié. À 20 ans, il écope de 50 tôles pour un vol minable qu'à mal tourné. En prison, il fait la connaissance d'un certain Gaëtan Zappa. Vous savez, le seigneur de Tolbiac. Oh mon Dieu, encore une secte? Non, seigneur avec un A. C'était pour un timbre. Ils se sont liés d'amitié. Ils étaient du même quartier, ils sont sortis dans le même temps. Le blé t'en fait à la vente. Il vivait de voler des escroqueries. C'était aussi un indique. Il aimait l'argent. Il aurait été capable de vendre sa mère, je suis sûr. Non, il l'avait déjà loué. Et puis il y a eu ce fameux casse de la Société Générale qui a mal tourné. De mort. N'a pas été pris, et les collègues du 13e ont eu un doute sur le blé. C'est vrai qu'il n'y avait jamais vraiment eu de preuve contre lui. Alors comme c'était une balance, il n'a pas hésité à balancer sa part. Sa part, lui, a rajouté le blé. A mis un contrat sur sa tête. Alors le blé s'est tiré. Il avait la police et le milieu à ses trousses. Il pouvait aller nulle part. Sauf qu'il devait passer par hasard à Rue Boite le soir du meurtre du 5. Et c'est là qu'il a vu votre manège avec la mallette. Oui, et c'est vite. Il pouvait se faire du blé.
Alors il veut l'appeler, mais comme il était grillé dans le milieu, il n'a pas pu la négocier. Bah oui, mais enfin, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment, pourquoi il est venu te demander de travailler justement chez nous. Ça y est, je me souviens maintenant. J'avais posé sur la mallette, ou dedans, je ne sais plus exactement, une annonce préimprimée, tu sais chérie, comme celle qu'on nous donne pour les journaux gratuits. Et cette annonce concernait la demande d'un majordome. Et de lui, c'est qu'il y aurait comme meilleur plan, se faire oublier. Bah, un appartement bourgeois du 16e arrondissement, bien sûr. Exact. D'ailleurs, j'avais remarqué qu'il ne sortait pas beaucoup. C'était étonnant pour un homme seul. Il est évident qu'il faille absolument le retrouver. Avec lui, on trouve la mallette. Et avec la mallette, la preuve de mon innocence. Monsieur Chapuis, auriez-vous une idée de l'endroit où on pourrait le trouver? Ma foi, non. Quoique nous sommes jeudi, et tous les jeudis, il avait l'habitude d'aller au PMU de la République, à Saint-Mandé. À Saint-Mandé? Oui. Allô? Ici, Froissart. La Pugie, oui. Est-ce que Charpentier serait dans les parages? Pas parce que tu en as en voiture! Alors, Amy? Ouais, salut, c'est Ernest. Ouais, ça va. Alors, cette filature? T'en dérives? Dis donc, j'ai une affaire bien plus intéressante pour toi. Comment ça, il est 22h? Bah, je sais bien que tu t'es levé à 6h du mat', mais t'es jeune! Bon, du tout, ça vaut pas de faire une douce accusée de ministre. Tu vas aller avec Luc au PMU de Saint-Mandé. Et tu vas y choper un certain Armand Leblé, vous voyez. Race blanche, 1m80, la quarantaine, les cheveux bruns. A-t-il un signe distinctif sur lui? Non, je vois pas. Si, il avait une chevalière à chaque petit doigt. Ouais. T'as entendu? Oui. Oui, une chevalière à chaque petit doigt. Tu me chopes en douceur et tu me téléphones. Allez, salut. C'est bizarre, hein? Dès qu'on part de l'affaire Boussac, tout le monde se met au garde à vous. Oh, mais c'est toi, mon chéri. Tu es le plus merveilleux des maris. Tu sais, quand tu recevras la Légion d'honneur des mains du ministre de l'Intérieur. Qui ça? Le nain de Neuilly? Mais ça sert à rien. On prend la femme. Ah, mais nous prenons la femme. Celle de la place Vendôme. Oui, mon frère. En tout cas, tout ce que je souhaite, c'est qu'on retrouve cet homme et la mallette. Je serai ainsi mis hors de cause. Dis-moi. Pourquoi est-ce que tu m'as quitté? C'est très simple. Je n'en pouvais plus d'être accueilli depuis 10 ans. Depuis 10 ans, à te donner 10 000 francs. J'ai fait les comptes. Cela fait 120 mois que vous donnez 10 000 par mois. Je ne suis pas un économiste, mais vous auriez dû acheter cette mallette. Voilà la première raison qui m'a incité à tout arrêter. Combien de temps ça aurait duré encore? Parce que tu as une deuxième raison? Oui. La deuxième raison, c'est que j'ai pensé à me constituer prisonnier. J'aurais fait de la prison, payer une forte amende. Mais en fait, qui aurait payé? Toi? Alors j'ai préféré partir, abandonnant ma femme. Elle aurait divorcé. Et là, j'avais tous les torts. J'aurais pu ainsi me constituer prisonnier. Bah oui, seulement Armand est parti. Quand je t'ai eu au téléphone l'autre jour, je t'ai demandé s'il était parti avec toi, t'as dit oui, toi. Mais tu m'as demandé pourquoi? Je n'avais pas pensé à ça. Et puis ça pouvait être aussi que je parte avec un amant. En tout cas, c'est pas gay. Alors, comme ça, Armand serait votre amant? Mais... Bien sûr que non. Entre nous, il n'y avait que des rapports financiers. T'es bignole, oui. Il faut que tu me pardonnes. Je t'aime. Champagne pour fêter ça, d'accord? Henri?
madame, s'il vous plaît. Bien, madame. Inspecteur, si on retrouve cette mallette, pensez-vous que je m'en sortirai? Bah, il ne fait aucun doute que la mallette plus les arbres de blé suffiront. Oh, si vous voulez, un ami à la maison. Oh. Non, non, inutile. Avec un ami, c'est une gégène qu'il faudrait. Comme on avait en Algérie. Rien ne serait trop dur pour un homme qui a fait tant de mal. Non, la vengeance est mauvaise conseillère, mon fils. Ah. Non, je préconise plutôt le supplice de la mémoire. Ah. Avec nos délits. Mais enfin. Mais vous n'avez pas un peu fini, là, tous, avec ces manières? Ah, c'est bien des propos d'homme, ça, hein, franchement. Inspecteur, si on ne retrouve pas cet homme, pire, la mallette. Je dois vous avouer que les convictions des jurés reposeront sur vos paroles. Sans preuve matérielle, il sera difficile de croire à votre innocence. Tu attends quelqu'un? Non, pas à cette heure-ci. Eh bien, Henri, allez ouvrir! Non! Mais pourquoi non? Non! Comment non? Parce que non! Ah, ça y est, ça le reprend! Enfin, Henri, vous tremblez? Vous avez peur? Oui. Je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand M. Armand est venu ce soir. Oui. Il était armé. Oh, il m'a menacé. Oh mon Dieu! Il va se venger! Il va nous descendre! Inspecteur, à vous de jouer. Pas de problème, je prends les choses en main. De toute façon, je suis armé. Mais tu n'as même pas les bâtons qui sont avec. Tu sais, mais pas lui. Pour mes enfants, il y a pardon de la méthode. Les filles, allez vous cacher dans votre chambre. Henri, retournez à l'office. Philippe, êtes-vous prêt à ouvrir la porte? Pas de problème. Pour moi, si je meurs, ce sera en héros. Ne vous inquiétez pas. Je serai là pour l'extrême onction. Vous le curez, ça suffit, hein, plutôt que de dire des conneries, allez donc vous planquer derrière les rideaux. Et dès qu'il rentrera, vous lui accroche-pieds. Et moi, je le neutraliserai, je le braquerai avec mon arme. Ça va tout de suite le calmer. C'est qui serait passé, Coco, hein? Allez, tout le monde en place. Bon, allez, venant. Juste perdu nos lunettes. On a mis du temps à reprendre nos esprits.
Oui, mais alors ce qui nous a le plus surpris, c'est que d'un seul coup, notre deux chevaux s'est mis à rouler normalement. On allait aussi vite que les autres voitures. Oui, ça ne s'était jamais produit. Et le plus étonnant, c'est que je n'accélérais pas et je touchais à peine le volant. De toute façon, elle n'avait plus de moteur. Ah. Plus de moteur? C'est pas possible. Il faut toujours croire au miracle. Toujours. Alors j'ai voulu en avoir le cœur net, je suis descendue de voiture. Et alors? Et alors? Sœur Madeleine a disparu de mon champ de vision. Oh. Venant de votre part, la notion de champ de vision me paraît tout à fait aléatoire. Oh. Et que s'est-il passé ensuite? Ah bah ensuite, je ne sais pas. Le trou noir. Quand je me suis réveillée, il y avait Sœur Geneviève qui me balançait des claques. j'ai voulu la rejoindre. Je suis descendue de mon tour de boîte. J'étais violemment projetée contre le trottoir. Je dois mon salut qu'à la présence d'un étalage de fruits et légumes. Je vous l'avais bien dit. Il faut toujours croire au miracle. Et la deux chevaux? La deux chevaux? Je l'ai vue partir toute seule. En réalité, nous avions été projetés sur un camion même. Le temps de me rétablir et de rejoindre Sœur Madeleine, elle était inconsciente au milieu de la rue. Il y avait beaucoup de monde autour d'elle. Je l'ai donné une question. Oh, ça va. Je l'ai réanimée et on est venu vous demander un peu d'aide. Oh, vous avez très bien fait, mes sœurs. Vous êtes ici, chez vous. Voilà. Allez, venez. Je vais vous conduire à la salle de bain et vous trouver des vêtements de rechange. Merci, Henri. Henri, est-ce que vous auriez l'obligeance de préparer deux grogues pour réconforter ces dames? Merci. Bien. Allez, venez les sœurs, suivez-moi, vous verrez. Vous vous sentirez beaucoup mieux après. Allô? Allez, tu crois ça? Ah, c'est toi, Rémi. Alors un petit grog comme les bonnes sœurs.
Tu as sifflé toute la bouteille de rhum. Voilà. Et après, fais chanter la Marseillaise au breton. Eh bien, alors, on va vous arrêter. Ah oui. Tu veux bien, Philippe? Oh, bah, oui. Adrien. Oui, ça me rappellera ma lèvre. Ah. Bon, allez, va pour un petit thé. Mon cher beau-frère, je pense que vous allez passer des heures pénibles. Voulez-vous vous confesser? Vous savez, cela vous ferait du bien, ne serait-ce que pour le salut de votre âme. Oh, mais lâche-le un peu avec le salut de son âme, toi. C'est surtout la justice des hommes qu'il a besoin en ce moment. Oh, comme tu parles bien, Lise. Vous parlez un peu de mon gros lapin quand il t'emmerde sur ses enquêtes. Mais ben ça va, ça va, ça va. Peut-être qu'Armand avait une cache dans une consigne. Il faut peut-être que vous vérifiez toutes les consignes dans les gares. Impossible. Depuis le plan Vigipirate, les consignes sont consignées. Ah. De toute façon, elles sont vides et fermées à clé. De toute façon, je ne pense pas qu'il faille chercher aussi loin que ça. Après tout, le blé était en plan ici. Il pouvait aller ni à droite ni à gauche. On l'aurait retrouvé. Oui, mais il allait bien régulièrement en PMU à s'amender. Peut-être que son trésor se trouve caché là-bas, chez une connaissance. Oui, peut-être bien. Il faut que j'enquête. De toute façon, il a produit mettre les pieds ici depuis que vous l'avez viré, n'est-ce pas? Ah bah non, non, il était juste passé hier pour solder ses comptes et reprendre quelques affaires qu'il n'avait pas eu le temps d'emporter, c'est tout. Inspecteur. Oui, monsieur. Il faut que je vous avoue quelque chose. Eh bien, parlez! Eh bien voilà, quand monsieur Armand est venu hier, il était venu chercher quelque chose. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il était armé, il m'a menacé, il était prêt à faire le pire pour récupérer quelque chose. Ce que je trouve bizarre, c'est qu'il n'avait pas l'air de bouger beaucoup lorsque je suis intervenu. Et rappelez-vous, vous étiez là avec votre belle arme toute neuve, et en plus, il y avait de plus en plus de monde dans cette maison. Ah, voilà, nous y sommes. Ah bon? Réfléchissez bien. Souvenez-vous des affaires que vous lui avez données hier. C'était surtout des vêtements, des affaires de toilette. Oh, puis je sais plus, moi. N'y a-t-il pas une lettre, une enveloppe ou quelque chose qui sort de l'ordinaire? Bah non, je vois pas. Bah écoutez, demandez à Henri, il l'a aidé à reprendre ses affaires. Monsieur Henri, rien ne vous a paru bizarre. Non, d'ailleurs, nous avons très peu parlé. Que vous a-t-il dit? Bon, c'est surtout moi qui ai parlé. Je lui ai raconté mon parcours professionnel. Je lui ai demandé où se trouvaient quelques bricoles que j'arrivais pas à trouver. Par exemple, le service à thé dans la vieille commode de monsieur. C'est pas une vieille commode. C'est une réplique que nous avons achetée l'année dernière. N'est-ce pas, Philippe? Oui, mais c'est surtout toi qui t'es fait plaisir. Alors, pourtant, mon prédécesseur m'a soutenu que le tiroir du bas était bloqué depuis une bonne quarantaine d'années. Le tiroir? Ah, nous avançons dans l'enquête. Donc, nous avons une commode qui a un an avec un tiroir qui est bloqué depuis plus de 40 ans. C'est possible? Un coup de tapis. Attends, en matière de tiroir, j'en connais tous mes maris. Ainsi, nous avons en face de nous un superbe meuble style Louis-Philippe avec trois tiroirs ouvragés non signés. Il prouve qu'il s'agit là d'une très belle réplique. Le tiroir du bas est bloqué. Ah, évidemment, il n'y a pas de serrure. Ah. En conséquence de quoi, j'en déduis qu'il y a un mécanisme qui bloque le tiroir. Je donnerai ma main à couper que ce mécanisme se trouve sous le meuble. Documentation, je peux me mettre d'un pub d'Air France et de la Royal Air Maroc. Ah, un catalogue sur les
Henrique et que vous deviez refaire votre vie. On va finir de jouer dans un pays étranger. Oui, un pays où il fait chaud et où la vie est moins chère. Oui, ou alors en Afrique du Nord, tel qu'au Maroc ou en Tunisie. Bon, je pense que vous avez raison, mais ça ne nous met pas sur la piste de cette fameuse mallette. Tiens. Et cette clé, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, il y a des initiales dessus. E, C. Ah, cette clé et ces deux lettres sont peut-être la clé de l'énigme. E, C comme... Énigme chapuis. Enseignement catholique. Extrêmement compliqué. Décidément, on n'avance pas beaucoup. Quelqu'un a-t-il déjà vu cette clé? Ça ressemble à une clé de tiroir. Décidément, nous n'avançons que sur des questions tiroir. C'est quoi ça, des questions tiroir? Eh bien, quand on paye en clé, on se pose des questions. Et les réponses données nous amènent à d'autres questions. Comme si on ouvrait un tiroir où il y avait une clé qui ouvrirait un autre tiroir, etc., etc. Enfin, comme les poupées gigognes, tu comprends? Les poupées quoi? Émile Chapuis. Bah quoi, Émile Chapuis? E, C, comme Émile Chapuis. C'était le nom de mon grand-père paternel. Je me rappelle que j'avais retrouvé ses pieds sous une armoire. Et je l'avais donné à ma grand-mère. Elle était si contente qu'elle m'avait remis une pièce de 5 francs. C'était une femme à l'époque. Donc cette clé proviendrait d'un meuble de votre grand-mère? Oui. Mais la plupart des meubles dont j'ai hérité n'ont pas de tiroir. Bah oui. Il y a bien l'armoire de la chambre. Il n'y a pas de tiroir. Ah, pourtant, avec la référence 1035, elle serait parfaite. Le licorne dans la chambre d'amis. Pas de tiroir. Référence 15370. Un must. Ah, le vieux meuble qu'on a descendu dans la cave. Pas de tiroir. Référence 167. Indispensable. Ah, et cette table de salon? Pas de tiroir. Ah, pas de tiroir. Pas de tiroir. Voilà, on a un sens de référence. Oh, tu vas nous lâcher un peu avec tes références. Non, cette clé proviendrait d'un autre meuble. Oui, bah, je suis désolée, c'est tout ce que j'ai trouvé qui correspond à peu près à la taille. Ça ne fait rien, nous savons que ça vient du cœur. Dieu vous le remboursera au centuple. Mais ça, voulez-vous vous joindre à nous? Nous allions prendre le thé. Oh non, merci. Père Vauban, auriez-vous l'amabilité de nous accueillir à taxi pour que nous puissions rentrer à la congrégation dès ce soir? Bah, écoutez, mes sœurs, il me reste une chambre d'amis de libre. Vous me feriez un très grand honneur si vous restiez dormir ici ce soir. Vous êtes très gentille, madame, mais la congrégation va s'inquiéter de notre absence. Bon, je cours immédiatement téléphoner à la congrégation pour l'établir. Oui, mais nous allons louper les dernières fêtes. Ne vous en faites pas. À cette heure-ci, elles sont passées depuis longtemps. Les Augustines ont dû faire leurs lettres sans harmonium. C'est Sœur Geneviève qui accompagne à l'harmonium. Eh bien, nous pouvons très bien faire une messe ici, accompagnée par le piano. Enfin, si vous voulez bien, Sœur Geneviève. Ma foi, pourquoi pas? Mais je n'ai pas l'habitude d'utiliser ce genre de clavier. Chers amis, que diriez-vous de vous joindre à nous pour une petite messe rédemptrice? C'est très gentil. Mais je crois qu'après toutes ces émotions, nous allons juste prendre le thé et nous retirer. Désolé, mais je crois que j'ai une enquête qui m'attend. Place de Reuilly. Je peux pas l'aider, je suis pas baptisée. Je vais vous accompagner. Il est bizarre, votre piano. Il ne marche pas. Sauf les touches de droite, et encore, elles sont toutes désaccordées. Il me vient des grands-parents. Personnellement, je n'ai jamais joué au piano. Moi, j'ai jamais voulu de ce piano dans l'appartement. Seulement Philippe a tellement insisté. Oui, oh, c'est sentimental. Je garde un meilleur souvenir avec ce piano. Ma grand-mère jouait si merveilleusement bien. Oh, ça fait si longtemps déjà. C'est la première fois que je vois un piano avec une serrure en haut du bâti. Normalement, pour sur le couvert. J'ai dit une bêtise. Lise, vois-tu une café? Tiens. Oh, bah tu penses bien.
une enveloppe, une grande enveloppe. Tiens, des billets de 500. Plein de billets de 500. Plein de billets. Mais il y en aurait pour 120 millions, ça m'étonnerait pas. Oui, à vue de nez, il y en a au moins pour 120 millions. Oh, c'est merveilleux. Bah, Adrien, t'es pas venu pour rien, finalement. Gloire à toi, au Dieu des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Merci, merci mille fois. Oh, mais Père Faubourg, voilà des manières. Si, c'est donc ça, un baiser d'homme. Calmos, calmos, on n'est pas à la messe. Voyez-moi un peu ces documents. Des habits de virement, des relevés de compte numéroté, Banque Nationale Suisse, Crédit des Bahamas, Société Monégasque. Ça sent la rançade, on a découvert le poteau. L'énigme de l'affaire Poussat est résolue. Et c'est toi, pour la paix, qui avez tout trouvé. Maintenant que vous avez la mallette, inspecteur, l'argent pour revenir à Adrien. Un instant. Non, je ne peux pas vous laisser partir avec l'argent comme ça. Il faut que je ramène au quai des Orfèvres pour enquête. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Et pourquoi? Lorsqu'ils vont reprendre l'enquête, ils vont évidemment retrouver les comptes de l'argent détourné. Mais par contre, l'argent liquide, ils vont la mettre sur le compte des détournements. Eh oui, alors que cet argent-là, eh ben, il n'a rien à voir avec l'affaire Boussac. Et dis, mon gros lapin, tu ne vas pas décevoir une deuxième fois ce brave missionnaire. Ces petits protégés ont besoin de cet argent pour leur hôpital. Et qu'est-ce qui prouve qu'il y avait de l'argent liquide dans cette mallette? Ah. Allez, mon lapine. Je te donnerai tout. Oh, bon, d'accord. Prenez l'argent, monsieur l'abbé. Thank you.